Salut tous et bienvenue dans une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui les gars, on se retrouve pour une vidéo magnifique, le retour des mythes de GTA 5. Et oui, aujourd'hui nous allons briser plus de 20 mythes, à peu près une vingtaine, une vingtaine de mythes. Et vous savez que la salle en a fait déjà pas mal. On va essayer de faire des nouveaux mythes. Dites-moi dans les commentaires quel mythe vous voulez que je fasse pour le prochain épisode. Voilà, si vous avez une idée de mythe, vous me le donnez en commentaire. En tout cas, nous aujourd'hui, on va faire plus de 20 mythes. Donc restez bien jusqu'à la fin des vidéos, ils sont plutôt pas mal. Et on va commencer directement avec le premier. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et surtout, abonnez-vous. Activez la cloche, c'est parti, proposez 20 mythes de GTA. Alors on commence avec le premier mythe, le fantôme du Mont Gordo. Peut-on frapper le fantôme du Mont Gordo? Eh oui, c'est ça la question. Attention, il va apparaître maintenant. Oh, le fantôme du Mont Gordo. Vous savez qu'il apparaît à 23h ici sur la map, hein, on le rappelle. Est-ce qu'on peut vraiment frapper le... What the fuck, le fantôme du Mont Gordo. Attention, est-ce qu'on peut le frapper? Eh ben non. Bah, c'est un fantôme, les gars. Donc techniquement, on peut pas frapper un fantôme parce qu'il est censé être invisible. Eh bien non. Et ce n'est pas confirmé, nous ne pouvons pas frapper le fantôme du Mont Gordo. Ok les gars, on est parti pour le deuxième mythe. Peut-on exploser un téléphone? C'est ce que nous allons voir maintenant. Attention, peut-on exploser un téléphone avec un gun? Eh bien non. D'accord, on tire avec un sniper sur le téléphone, mais le téléphone n'a rien. Et bien malheureusement, c'est échoué. Ok les gars, c'est parti pour le troisième mythe. Peut-on crever les pneus d'un Liberator? C'est vrai qu'un Liberator, ça a des grosses roues. Et nous, on a un petit couteau. On va essayer de crever des pneus. Allez. Non. Nous ne pouvons pas crever des pneus d'un Liberator. Et c'est très dommage. C'est très dommage. On ne peut pas faire ce genre de choses. Et on passe tout de suite au quatrième mythe. Ok les gars, on est parti pour le second mythe. Peut-on tuer plusieurs personnes avec un gun? Est-ce qu'on peut tuer plusieurs personnes à la fois? C'est ce que nous allons voir maintenant. Ok, je vise la tête. Ok, une balle, on va mettre une balle. Là pour l'instant j'en ai tué deux. Ah, je crois qu'on peut pas. Peut-être avec un sniper, on va essayer. Avec un sniper. Est-ce qu'on peut en tuer plusieurs avec un sniper? Attention. Oh, avec un sniper ça marche. Et c'est confirmé, let's go, on passe au prochain mythe, bah bon. Ok les gars, prochain mythe de GTA très connu, peut-on tout simplement exploser la glace autour de l'alien de Logan? Est-ce que c'est possible ou pas? On va mettre des C4, allez, il faut qu'on sorte cette petite alien. D'ailleurs il fait peur cette alien, hein. C'est abusé, de toute façon on peut en mettre que 5 maximum. Attention, est-ce qu'on peut sortir l'alien? Eh bien, malheureusement, c'est échoué. Nous ne pouvons pas sortir l'alien. On passe au prochain mythe. Au prochain mythe, peut-on tout simplement prendre une voiture de police avec une dépanneuse? Eh bien, écoutez, on va tester ça tout de suite. Ok, j'y descends la truc. Est-ce qu'on peut pas? Oh, on peut, what the fuck? On peut, les gars, j'ai un flic avec moi. Regardez, il y a un flic avec moi. Oh là 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 là, les gars, on peut prendre un flic. Regardez, il est en train de péter les plombs. What the fuck? Eh bien oui, ça marche, c'est confirmé. Et j'ai l'air que je suis en train de lui faire péter les plombs. Le flic, il doit... What the fuck? C'est grave stylé. Vas-y. Il a mis les girons ou pas? Oh my gosh. Il est où? Oh, il est retourné. Oh, il est retourné. Eh bien, c'est confirmé. On passe tout de suite au prochain mythe. Regardez-moi ce flic. Il est retourné, le pauvre. En tout cas, let's go pour le prochain. Ok, les gars, on passe au prochain mythe. Peut-on exploser un bidon d'essence? Eh oui, c'est ça la question. Elle a un magnifique bidon, la demoiselle, mais malheureusement pour elle. Oh, ça explose pas? Oh shit. Ne me dis pas qu'elle est morte. Bah, j'ai tiré sur le bidon. Ok, les gars, on va réessayer pour bien confirmer. Bidon, voilà, ça ne. Ah, oh, si, oh, il a explosé. Le bidon explose, ça marche les gars, mythe confirmé. Peut-on survivre à des hélices, hein? C'est vrai que c'est une question un peu conne, mais c'est un mythe qu'on va réaliser, hein. Dans la vraie vie, je pense qu'on est mort. Et là, attention. Eh bien, ce n'est pas confirmé. Malheureusement, nous ne pouvons pas survivre, hein. En même temps, c'est logique, quoi, j'ai envie de dire. Mais j'ai pas envie de le faire. Les gars, on est parti pour le prochain mythe. Peut-on tirer à travers un casque? Est-ce que ça protège un casque? Est-ce que ça protège? Attention, nous allons voir ça tout de suite, les gars. J'ai une petite personne avec un casque. Attention, on va tirer. Eh bien, malheureusement, non. Nous ne pouvons pas
protéger la tête, la mort avec un casque. Ok les gars, on se retrouve pour le prochain mythe. Peut-on tout simplement voler un dirigeable dans les airs? Attention. Eh bien oui, ça marche. Wow, regardez les gars, il est sorti les gars, il est tombé. What the fuck. Nous avons volé un dirigeable, regardez, c'est moi qui le dirige. Hop, je vais à gauche. Hop, là, je tourne à gauche. Voilà, je le dirige. Hop, 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 c'est moi qui le dirige. Et j'aime d'ailleurs sauter du dirigeable. Et bien, on peut voler un dirigeable dans les airs, c'est pas mal, hein. C'est plutôt pas mal ça. Let's go, on se retrouve pour le prochain. C'est parti pour le prochain mythe. Peut-on allumer un feu en faisant un dérapage avec une voiture? Eh bien, nous allons tester ça tout de suite. Alors, attention, hop, je vais bien mettre. Et oui, ça marche, regardez, ça marche. Et oui, ça marche, les gars. Je viens d'allumer le feu avec un dérapage. C'est incroyable, regardez le feu qui vient de s'éteindre. Et oui, c'est confirmé. Let's go. Pour le prochain mythe. Peut-on rentrer avec un tank dans la base militaire sans se faire dégommer par la police? C'est vrai ça. J'aurais toujours voulu tester ça, attention. On est dans la base militaire. Veuillez quitter la zone immédiatement, je suis la seule personne autorisée. On va rentrer pour voir. Eh bien non, malheureusement, on ne peut pas rentrer avec un tank. Hein, on a 4 étoiles directement. Hein, Ah ouais, c'est... Il y a même des tanks qui nous cabalent, quoi. On ne peut pas, malheureusement, rentrer avec un tank. C'est pas possible. Ok, les gars, on est parti pour le prochain mythe. Peut-on couper un arbre avec une hache? Hein, c'est vrai que c'est une question qui est plutôt pas mal et qu'on m'a posée. Est-ce qu'on peut le faire, ça? Est-ce qu'on peut le faire? Attention, let's go. N'hésitez pas aussi dans les commentaires à me donner vos mythes à vous, je le rappelle. Ah, attention. On va mettre plusieurs coups. Et malheureusement, les arbres, bah sur GTA, ça se coupe pas, quoi. Donc, on ne peut pas couper d'arbres avec dash, malheureusement. Est-ce qu'on peut enlever, tout simplement, dérailler le fameux... Hop, on va mettre des C4, les gars. On va mettre plusieurs. Est-ce qu'on peut le dérailler ou pas, ce petit wagon? On va tester, en tout cas, on a mis plusieurs C4. On va attendre qu'il part tranquillement. Et on va essayer de le dérailler... Let's go. Et c'est parti, il est en train de partir les gars. Est-ce qu'on peut le dérailler ou non? Attention, attention, attention. Et oui, c'est confirmé. Oh, il est en train de tomber les gars. Nous pouvons bien évidemment le faire. Et ça tombe, regardez, il tombe. C'est-à-dire que s'il y a des gens dedans, bah, les gens tombent avec, c'est plutôt pas mal ça. Allez, à tout de suite pour le prochain mythe. Peut-on tirer sur une balle de basketball? Hello, de basket, basket. Oh, on peut tirer, et d'ailleurs elle se crève pas du tout. Mais on peut tirer dessus. Voilà, regardez. On tire dessus jusqu'à l'infini. Eh bien, c'est confirmé. Nous pouvons tirer sur une balle de basket. Ok, les gars, on est parti pour le prochain mythe. Est-ce qu'on peut tuer quelqu'un en tirant sur son gun? Est-ce qu'on peut tuer un PNJ? Hein, bah écoutez, nous avons ici un PNJ avec un petit gun. On va tirer, eh bien, sur le gun. Voilà. Oh shit. Ok. What the fuck? Je retire là. Eh bien non, ce n'est pas confirmé, malheureusement. Le PNJ ne tombe pas. Par contre, la première fois, il a tiré. Il a failli tuer nous, en fait. Une voiture électrique n'explose pas avec le feu. Eh bien, c'est ce que nous allons tester maintenant. Alors, nous allons mettre un peu de gasoline autour de cette voiture électrique. On rappelle que la roquette Voltique est... Enfin, la Voltique, c'est pas la roquette. Mais la Voltique est un véhicule électrique. Hein. Voilà, on le blinde bien, bien, bien. Hop. Histoire 2. Et nous allons tirer. Attention, est-ce que c'est confirmé ou non? On tire, c'est en train de prendre feu. Est-ce que le véhicule va exploser ou non? On le rappelle qu'il n'est pas invincible, pardon. Attention. Eh bien, confirmé, les gars, ça n'explose pas du tout. Regardez. Ça crève les pneus, mais le véhicule n'explose pas. Le véhicule électrique n'explose pas avec le feu. Ok. Why? On est parti pour le prochain mythe. Eh bien, tout simplement... Un mur, eh bien, protège un PNJ de la mort si on tire dessus. Est-ce qu'on peut tirer à travers un mur? Attention, donc là, vous voyez, il y a une PNJ juste derrière. Hop, on tire. Regardez, elle est juste là, sa tête. Hein, regardez, elle est juste là, sa tête. Tu vois, hop, là, sa tête. Hop, hop, je tire à fond. Je tire même avec un petit gun pour voir. Eh bien, oui, c'est confirmé, les murs dans GTA 5, eh bien, ça protège de la mort, et ça c'est magnifique. Et eh bien, let's go, vamos pour le prochain mythe.
Ok les gars, est-ce que la jauge d'essence descend sur GTA 5? Eh bien ça fait à peu près 10 minutes que je roule, on va aller voir si la jauge d'essence a descendu. Enfin, est-ce qu'elle est descendue ou non? C'est vrai que c'est un mythe qu'on a toujours voulu voir. Eh bien là ça fait pas mal de temps que je roule, donc je vais m'arrêter tranquillement. Et on va voir si notre jauge d'essence est descendue. Alors là on voit rien comme ça. Ben, comme vous pouvez le voir, la jauge d'essence elle ne descend pas en fait. Sur GTA, malheureusement, ne marche pas en fait. C'est sur tous les véhicules que vous voulez, la puissance ne descend pas et malheureusement, ce n'est pas confirmé. Et on est parti pour le dernier mythe de cette vidéo. N'hésitez pas dans les commentaires à me donner plein de mythes, les gars. Je compte sur vous pour me donner un maximum de mythes. Peut-on tout simplement avoir la police si on agresse quelqu'un avec une boule de neige? J'ai une boule de neige dans la main. Je vais agresser cette personne. What? Ah, tu veux pas me donner? Voilà, tu peux me donner l'argent. Oh wow. Eh bien les gars, comme vous pouvez le voir, effectivement, nous avons la police. Donc je me suis battu avec le gars, mais on a malheureusement la police. Hein. Regardez, il y a la police qui va arriver. La police va arriver. La police va arriver. Hop, j'enlève ma cam. Hop, non, là j'ai remis la cam. On va voir qu'il y a la police qui est en train d'arriver en bas sur la minimap. Et malheureusement, voilà, il me tire dessus. On a la police. Quand on tire avec un petit tout simplement boule de neige. En tout cas les gars, j'espère que cette petite vous a plu. N'hésitez pas dans les commentaires à me donner des mythes que vous voulez que je réalise. Hein, j'en ai noté des centaines. Hein. Mais n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel mythe vous voulez que je fasse en particulier. C'est à vous. Abonnez-vous. Pouce bleu. Ciao ciao.